Bonjour, c'est Lara, et bienvenue pour cette nouvelle partie de Final Fantasy IX. Si vous voulez en savoir plus sur les précédentes parties, n'hésitez pas à consulter ma playlist FF9. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour les notifs. C'est parti! Ok, donc on va regarder un peu les équipements, on sait que j'en suis. Donc là, le coup de pouce toujours en route. Là, une plus. Là, niveau PC toujours en route. Ici, j'ai rien à augmenter. Là, ma cible c'est toujours en route. Elle, ah, j'ai du HP pour 100 là. Champion, on peut aller vite, nuit blanche, niveau plus, MP plus 6% des troubles, HP plus 20% biskiller. Je peux te reprendre le des troubles comme ça je suis confus, ça va être protégé. Mais c'est toujours en route, donc HP. Attaque à MP et contre-attaque, tout doux, Energy Killer, niveau plus, Peace Killer, ok. Pleine Lune, c'est toujours en route, contre-attaque toujours en route, là c'est quoi? Là, y a rien du tout. Là. Ah, là j'ai Mobilis, là. Et Autoboom, c'est toujours en route, ok. Quoi ça déjà? Inflige des dégâts en fonction de la chance du personnage, ok. Ça. Trouble, des troubles. Se protéger contre stop. Ok. C'est aléatoire, ça peut être du bonus comme du malus, quoi. Là, elle. Là, j'avais dit que je mettrais des troubles sur elle. Et Orphée, ça protège contre l'obscurité. La compétence plus, ça en garde. On va prendre ça. OCB. Là. Ensuite Petra. Obscurité. Poison toxique. Ok. Là j'ai compris qu'il y avait pas mal d'attaques magiques de merde, donc on va se protéger hein, le plus possible qu'on peut. Non, Dani, auto-boom c'est quoi déjà? Alors, utilise automatiquement boomerang pendant les combats. Ah, ça permet de renvoyer les attaques magiques. Oui, ça... Par contre, elle... la pleine lune, je vais l'enlever. Les troupes mobilis protège contre stop, ouais. Nuit blanche protège contre Morphée. Je garde la compétence plus, contre-attaque. La contre-attaque, je peux l'enlever sur elle parce qu'elle est pas très puissante pour l'instant. Madani. On protège contre le mutisme, je veux pas trop utiliser la magie là.
Poison toxique, peut-être. Ouais, ça coûte 15 anti-boom, là. Auto-boom, là. Plutôt prendre ça et ça. Ouais. Ah, on va partir comme ça. Let's go. On peut pas passer là. Ok. Bon. Y'a rien ici. Vérifie. C'est quoi? C'est ça le île de garde 1? Ah bah oui. C'est bon. Je mets pas tant de guides dans le château de Kuja. Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Est-ce que je peux te bouffer toi? Très bien. Hop. Je vais voler. Tac, des ampouilles, ok. Ouais, de la mine, une embrouille dans le sur Tani. Tac, 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 tac. Essayer de la bouffer. Ah, c'est pas bon, William. Ok. C'est un pouvoir que j'avais déjà. Ok. Allez! Tiens! Ah, c'est encore la même merde, forcément! Pas qu'à faire! On va t'en voler un des embrouilles alors! Hop! Là, on saute cette fois-ci! Bon, on va essayer le Metra Magic! Si ça fait quelque chose! C'est raté, d'accord. Il a rendu tristement possédé. Réduit les HP en 1, mais bon, ça n'a rien fait du tout. C'est une limite, lance une attaque élémentaire neutre. Nocturne. Attaque générale pour votre morphée. Dissimule un allié, ok. Tiens, je vais essayer de t'endormir, toi. Aïe aïe. Ah mais ça endort tout le monde en fait, d'accord. Sauf sauf Dany quoi.
Peut-être que si je mets un remède... 16. Ça sert rien du tout. Ça lui fait rien du tout, ok. J'aurais pas dû lancer cette attaque. C'est mal géré. Je me suis réveillé. Hop, hop. Oh là là. On a l'épée pour remettre de la vie sur tout le monde. Mais putain! Ça a rien remis de vie en fait, j'adore! Allez. Bon. Casse les couilles toi! Voilà, ta mère. Pas péché. Contre-attaque pour Dany, ça c'est fait. Et puis vous me quand même 1200 guilles. Ok, on va parler au mage noir là. C'est... Bonjour. Désolé, mais j'ai ordre de ne laisser passer personne. Mais je passe quand même. Et je suis attaqué quand même. Ah mais putain, c'est bon, je grave plus. Allez. Oh mais... Ah c'est bon, il casse sa tête quoi. Ah, c'est encore plus nocturne, hein. Sûr. On va faire ça une petite aide. Oh là là. Énervé Dany là, pas bon. On est mort de te voir, ordre de merde. Allez, 829. Vache. Ah putain.
Ouais, je t'emmerde. Garde les killers là, c'est fait. Bon. Alors là, j'ai des 8 killers tonifiants à faire. Et c'était quoi que j'avais fait? Contre-attaque, hein. J'augmente ses défenses. Défense à 19. Ça fait baisser la protection à 7. Hein, donc. Non. Donc pour l'instant, on laisse comme c'est. Dépêche-toi d'embarquer. C'est pas moi qui contrôle. Allez hop, taxi, direction Œil Vert, s'il te plaît. Ah, mais on voit l'IFA là. Eh, s'il vous plaît, on peut aller à l'intérieur de Tifa, je veux dire de l'IFA. Non? C'est pas possible. Ok. On peut vraiment faire confiance à Kuja? On peut vraiment faire confiance à Kuja? Eh, tu m'entends? Ça ne servira à rien. Ils ne répondent qu'à nos ordres. Quel sale bouffon. Après Branet, vous aidez Kuja. Faites attention à ce que vous dites. Comme si nous étions des méchants. Ne dis pas de bêtises. C'est nous qui veillons sur vos amis, ne l'oubliez pas. Sale type. Les mages noirs ont été créés pour être des machines de guerre. Les trois valseurs étaient des vraies armes, chacun d'entre eux avec son propre ego. Par contre, ces mages n'ont pas d'ego particulier, ils font que suivre les ordres. En plus, les mages sont fabriqués en série et sont programmés pour fonctionner pendant une durée limitée. Ils sont très utiles lors des combats. Cela nous étonnerait que ces objets puissent avoir peur de mourir. Ce serait amusant. Mais les mages noirs ne sont que des objets. Vous croyez c'est différent d'eux? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment osez-vous dire ça? Quand vous êtes les instruments de la volonté de quelqu'un d'autre, vous êtes aussi vite que les mages. Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce que je me suis trompé? Très bien, nous allons vous faire taire, pour que vous puissiez plus médire.
Vous allez regretter. Ouais, bon, on se repose un peu. Pilotez avec prudence, s'il vous plaît. Il y a un marais là, donc j'ai bien fait d'emporter Dany avec moi. Manger des grenouilles. Bon, première chose. Voilà, on va aller au marais d'abord. Ah bah. C'est aimant. Forcément. Oh oh. Voilà, on va sauter direct. Oh. Bah... Ok. Oh mais... Putain ! Ta mère quoi ! Juste ta mère. Ah, je peux pas lancer. Je suis sûr qu'il va tourner à zéro, Dany. Voilà, c'est sûr. On s'en avoir un cul là déjà. Oh mais la vache, hein, j'en peux plus là, vas-y. Dégâts. Ouais, prenez Dany. Je savais qu'il va mourir. J'essaie de la bouffer l'autre. Yes. Et merde. Putain. Gonfle. Ah, j'ai appris shaker, ok. Oh désolé Sabi, t'auras pas de points pour cette, ce combo.
Oh là, ça, 4000 guilds. Oh, ça, c'est un monstre qui vaut le coup. Pas les 1000 et quelques guilds là, de merde là, pour un combat à la con. Là. Enfin, bref. J'aurais peut-être pu prendre machine à la place de CB pour la vie. Ouais, bon, de toute façon. Ouais, bien que je les augmente, hein, tous ces personnages-là. Obligé de reprendre une tente. C'est ça. Et puis vu que j'ai échappé un pouvoir de plus pour Dani. Hugo, t'es une vraie encyclopédie, quoi. Je voulais vous savoir. Non, t'as rien d'autre à rien spécial. Où dois-je aller? J'ai l'impression que ça va être très dur. Vous avez à peu près expliqué où vous devrez aller, n'est-ce pas? Une fois sur l'atlas, ouvrez la carte en appuyant sur le pavé tactile et cherchez œil vert. Vous risquez de rencontrer beaucoup d'ennemis en chemin. Mais il y en a qui peuvent vous aider à rejoindre votre destination. Ça risque d'être très dur. Essayez de revenir en aéronef. Ok. Ça, j'ai déjà bougé, hein, je me rappelle. Vol. Tac.
normalement. Boom. Do mobilis, ok. C'est Mobilis. Alors là, qu'est-ce qu'on peut mettre? 29, 29, c'est un peu sa défense. Ça baisse à 11, là ça baisse à 17. Ça baisse juste son psy. Augmente ses défenses, par contre, ça c'est très bien. Attends, je vais garder. Voir de l'autre côté. Ah, rien. Ok. Maintenant, il n'y a rien ici. Oh, grenouille! Ashtim, tu peux attraper des grenouilles, miam? Ouais, vas-y. Merci, miam! Oh putain, j'ai plus. D'habitude, je spam la croix, là j'ai rien spammé du tout là. Hop. Écosystème, Dani, écosystème. Oh putain! À toi, je vais t'avoir! Non! Ta mère! Non! Oh putain! Eh! Hey, oh 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 putain! Dani, qu'est-ce que tu fais? Allez! J'ai du mal à appuyer sur rond, puis il croit, c'est pas bien la croix. Hein. Hop, allez, vas-y, tu y étais là. Hop, 21, il reste plus que 2. Toi, allez, toi. Hop. Allez, encore une. Je sais pas, on va se mettre. On va faire semblant de rien. Allez quoi, vas-y, mais... Amène-toi. Voilà. Putain.
Je ne vois rien, je ne regarde pas. La, 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 la. Regarde, je ne regarde pas. Putain, vas-y, amène-toi. Putain. Allez, amène-toi, toi. Ouais, t'es chou. Vas-y, t'as fini? Ah, ça suffit. Casser les couilles à force. Bon. Bon, alors direction œil vert, donc c'est là, et c'est ça. Et c'est parti. Évidemment, un combat en route, hein, forcément. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que cette merde hein. Sauter direct. Allez. Ok. Mais bon, pas sûr. T'as raté déjà l'attaque là. Ouais, faut l'affaiblir, d'accord. Ok. Parce que là c'est pas bon. Comme d'attaquer une fois avec CB. Oh la vache. Là, je vais en défense. Là je vais réessayer. Ah d'accord, c'est pas bon. Donc à mon avis j'ai déjà ce pouvoir. C'est bien par là. Par contre, là, alors, comme il disait l'autre mug, la route se divise en plusieurs parties. Aïe aïe aïe. Saute. Oh là, ça me fait voler en plus, c'est une merde là. Ouais.
J'aime, ok. Le premier. Oh putain, la fête de vie. Pour Dani. Non, faut la faiblir, d'accord. Ah putain. Putain, mort. Joué. Ouais, mais comment ça se fait que c'est long pour les potions là? Putain. Vas-y, mais niquez vos mères quoi. Sérieux quoi. Putain. Allez quoi. Non. J'en ai marre là. Oui, sérieux. Là, super. Heureusement il est malin. Il s'est mis sur lui-même. Tiens, et moi. On ne sait plus avoir de renaissance, moi. Hein. Tant pis pour Dani, c'est pas de point. Projo. Trêve, putain, au bout d'un moment, c'est long. Séisme, non, c'est Projo encore. Il casse les couilles avec cette projection là. Allez. Ok, j'avais déjà. Bon. Une
tentes, s'il te plaît, parce que... Alors, casse les couilles, là. Je fais auto-boom, là. Très bien. Ah, bah, 2000 guilds. Pendant que je te tiens. Bon, après. C'est toujours là. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir d'ici de ce côté. Je vais essayer par là. Oh là là, maison carrément. On veut, hein, sérieux, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre Dany, mais. Oh, sa tête, peut-être parce qu'elle a envie de bouffer, j'en sais rien, mais. Stop, quoi! Stop it! Get some help! Ok, bon, on va planter comme ça. Critique là, c'est bien.
Ah merde, je suis déjà. À force, moi, je sais plus, moi. Putain. Ah, c'est nul. Ok. Et donc c'était long pour avoir la pleine lune avec Dany, hein, mais bon. Moi c'est fait. Faut voir les équipements maintenant. Dany. Là, c'est bon. Quoique, attends. Ah, la mitraille attaque. Monte l'attaque quand même. Ok. Voilà. Du coup, c'est bon ça. Pas la auto-boom. C'est auto-lévite. Plus riche. Je vais prendre le plus riche là. Je sais pas ce que c'est comme compétence. Alors, augmente le nombre de guilds reçus à la fin du combat. Ok. Coupe 5. Ce boom, c'était quoi déjà? C'est automatiquement boomerang pendant les combats. Oh. Plus riche, il reste 4. Bah, MP plus 6%. J'ai tenté comme ça. Puis OCB, ouais. Ça s'augmente, ça augmente, ça augmente. Là, il n'y a rien d'autre à mettre. Et là, c'est bon. Okay. Allez, petite tente encore. Je peux pas passer. Putain, c'est de l'autre côté. Dans cette merde. Pas la peine d'être bouffé, celui-là j'ai compris.
À mon avis, la queue du diable, c'est pour mettre en pétrifié, parce qu'apparemment, vu que je vais voler un défigeur, donc à mon avis, ça doit être ça. Oh là là. Perds pas de temps. Hop. Un peu plus 6% des troubles. Ok. Donc, save. Là, c'est bon. Là, c'est ok. Là. Ok, aussi. Donc là, il y a HP plus 10%. Champion. Autolévite nuit blanche, niveau plus, HP plus 20%, biskiller, autoboob, hypnose, je vais prendre HP plus 10. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine partie. D'ici là, rappelez-vous que la rage, c'est nous.